Je deviens Papa Pink. Je deviens Papa Pink. On dirait que c'est pas le vrai Valentin et que c'est pas le vrai Peppa Pink. Ça va, Steven? Oh, il m'a enfermé. Les amis, ils sont partis sans moi, en vacances, j'hallucine. Ils viennent de partir à l'instant, ils ont pris toutes les valises. Et Lily Rose, Peppa Pink, Valentin, notre cousin, même notre demi-sœur, ils sont tous partis en vacances sans moi. Parce qu'apparemment, maintenant, ils me détestent. Je leur ai fait trop de blagues. Et je pensais que c'était encore une blague, là, qu'ils me faisaient. Mais non, ils sont vraiment partis. Lily Rose est pas dans sa chambre. Allez, allez, dépêche-toi, viens. Ah, on a réussi. Bon, on est arrivé. Tiens, bois la potion. Tu vas devenir Valentin. D'accord. Allez, allez, dépêche. Et toi, tu vas devenir qui? Papa Pink. Papa Pink. Allez, vite. Encore ma transport. Je vais devenir Papa Pink. Je vais devenir Papa Pink. Je vais devenir Papa Pink. Je vais me venger. J'en ai marre qu'il ne me respecte pas. Non, mais partir en vacances sans moi comme ça, c'est pour ça que je suis dans la chambre de Lily Rose. Parce que elle a voulu partir. Ok, pas de problème. Je vais prendre toutes ses affaires là, toutes les affaires auxquelles elle tient. Je vais tout mettre dans un sac poubelle et je vais tout mettre dans une poubelle. Qu'est-ce que j'entends? Je deviens Papa Pink. Je deviens Papa Pink. Je deviens Papa Pink. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Allez, à ton tour. Valentin. Je deviens Valentin. Je deviens Valentin. Je deviens Valentin. Je... Oh, c'est bon, j'ai réussi. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Ah, toi aussi. Bon, alors, faut le trouver maintenant. Oui, hein. Esteban, on va le piéger, hein. Ah, il faut peut-être faire là. Viens, suis-moi. Allez. Tu sais où ils sont? Ah bah oui, hein. Il y a des gens dans la maison ou quoi? J'entends des gens. Mais c'est quoi ces voix? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, non, j'ai dû... Je dois halluciner, je pense. À mon avis, ils sont quand même pas revenus. Ils sont vraiment partis en vacances sans moi. Alors, par quelles affaires de Lily Rose je vais bien pouvoir commencer? Là, elle a rangé tous ses petits fidget toys, tous ses petits pop-it, hein, tout ça, ça va finir à la poubelle. Elle voulait partir en vacances toute seule. Bah, ça tombe, j'avais pas halluciné. Ils sont vrais. Oh, Esteban, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, Esteban? Peppa Pink, Valentin, mais finalement, vous n'êtes pas partis en vacances. On n'est pas partis, non. Non, on n'est pas partis. Ah, mais c'était une blague, trop bien. Bon, tu viens avec nous. Comment ça? Alors non, mais vous avez l'air... Mais Lily Rose, elle est où, d'ailleurs? Bah, on te demande où elle est. Lily Rose, eh ben, elle est partie avec vous en vacances, là, mais... Je sais où elle est. Elle est dans le garage, viens nous voir. Tu crois qu'elle est dans le garage? Viens, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous racontez? Oui, j'arrive. Allez, tu viens. J'arrive. Dépêche-toi. Bon, t'attends. Vous êtes un peu bizarre. Attendez, j'arrive, je termine des affaires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont comme ça? On dirait que c'est pas les vrais... On dirait que c'est pas le vrai Valentin et que c'est pas le vrai Peppa Pink. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, ça tombe, c'est encore un de leurs pranks. Parce que visiblement, ils sont pas partis en vacances sans moi. Bon, ça déjà, ça me rassure. Mais où est Lily Rose? Où est la demi-sœur? Qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez les amis, je vais les suivre, on va bien voir ce... Bon alors, qu'est-ce que tu fais? On t'attend là, depuis tout à l'heure. C'est quoi cette manière de parler? Ça te ressemble pas du tout. Bah, écoute, c'est que j'ai attrapé froid, hein. On a attrapé froid, il fait pas bien. J'ai mal à la gorge. Vous avez attrapé froid alors que vous êtes parti depuis 30 minutes? Ouais. Qu'est-ce qui... Non mais qu'est-ce que... Oula. Attention, t'as une crotte de nez là. Montre-moi ton visage. Ah, regarde, un berk. Moi aussi d'ailleurs. Allez, bon, tu nous suis, Esteban. Ça vous ressemble pas du tout de parler comme ça. Bon, écoutez. Bon, je vais vous croire. Ça tombe, vous êtes encore en train de continuer votre prank là. Allez. Oula, c'est bizarre. Non, les amis, il s'est passé quelque chose de très très louche. À mon avis, c'est pas le vrai Peppa Pink et c'est pas le vrai Valentin, comme je vous ai dit. Ils ont dû vraiment partir en vacances sans moi et eux, ça doit être des imposteurs. Bon, oui, je vais vous suivre. Oui. Bon, Lily Rose est où d'ailleurs selon vous? Dans le garage. Dans le garage? Mais qu'est-ce qu'elle ferait dans le garage? Pourquoi elle n'est pas venue? On va pas trop vite dans les escaliers, j'ai peur de tomber. D'ailleurs, vous la préviendrez que... Enfin non, je vais la prévenir que je suis en train de jeter toutes ces... Oui, préviens-la. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh, c'est rien. Attendez. C'est rien du tout. Montrez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Non.
Mais c'est une potion! De quoi? Mais non, c'est pour la gorge! Qui a ramené une potion ici? Ah, c'est peut-être une potion, non, c'est pas une potion! On s'était dit qu'à partir de maintenant, il n'y avait plus de potions dans cette maison! Allez, maintenant, va dans le garage! Qu'est-ce que vous avez bu encore? Non, mais dans le garage! Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que. Mais. Allez! Eh oh! Oh! Non! 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 Ils m'ont enfermé! On est débarrassé! Ah, ils m'ont enfermé! Je m'en doutais qu'il y avait un problème avec eux. Ça doit pas être le vrai Peppa Pink, ça doit pas être le vrai Valentin. À mon avis, c'est... Attendez. Je reconnais cette voix. Je reconnais leur voix. C'est la voix des frères Pabot. À mon avis, bon, pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, vous savez qui c'est. Ces deux frères qui sont vraiment extrêmement moches. Il y en a un avec des cheveux blancs, l'autre avec des cheveux noirs. Et leur but, c'est de voler notre maison, de voler tout ce qu'on a. Ils détestent Lily Rose, ils me détestent. Ah, ils ont dû boire une potion pour se transformer en Peppa Pink et Valentin. C'est ça, ils ont dû... Ah, oh, ça va, toi, t'es là, mon petit chat. Regardez. Ils t'ont rien fait? Non, mais pourquoi tu m'as pas prévenu qu'ils étaient dans la maison? Eh oh! Ah non, ils s'en fichent. De toute façon, le chat, il ne parle pas. Bon, les amis, il va falloir que je reprenne le contrôle de notre maison et que je les vire de chez nous. De toute façon, ils devraient pas tarder à retrouver leur apparence normale. Une potion, ça dure jamais bien longtemps. Bon, ça sert à rien que je tape sur la porte. Faut que je trouve un moyen de l'ouvrir. Ah, attendez. D'habitude, on cache des clés. Ah non, comment je peux faire pour entrer? C'est parfait, ça. Un tournevis aussi. Je sais ouvrir une porte avec un tournevis. Bon, les amis, je vais pas vous montrer comment faire. Je vais ouvrir la porte et ensuite, je les vire de chez nous. Hop, là. Et hop. Ah, c'est bon, ça marche. Parfait. Bon, les amis, maintenant, je vais être le plus discret possible. Ils devraient pas tarder à retrouver leur apparence normale de vieux monsieur ultra désagréable. Oh non! D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Ah non! Qu'est-ce que je disais? Ils ont retrouvé leur apparence! Non, laisse-moi tranquille! Ah, tout ça pour voler nos affaires, non. Ah! Et comment vous, t'as et fait? Vous pensez que j'allais rien voir? Comment t'as fait pour t'échapper? Et vous pensez sérieusement que j'allais rien voir? Oh non! Non. Allez, toi! Le vieux Pabo! Oh, tiens, tu veux une potion? Non, je veux pas de potion! Je savais que c'était vous! Et de toute façon, j'ai tout filmé avec ma caméra! Vous êtes démasqué! Bon, écoutez, ça sert à rien de voler nos affaires! De toute façon, j'ai tout filmé, je vais aller voir la police! C'est inadmissible! Allez! Tenez! Laisse tout ici! Vite, on s'enfuit! Partez de là, immédiatement! Allez où? Partez d'ici! Ils vont essayer de revenir, c'est sûr! Ils savent que je suis tout seul à la maison en ce moment. Ils doivent savoir que les autres sont partis en vacances. Ils vont en profiter pour venir la nuit quand je vais dormir. Ils vont prévenir tous leurs amis, la sorcière, etc. Et ça sert à rien de revenir. Ça sert à rien de revenir, je vous vois. Bon, à partir de maintenant, je vais fermer toutes les portes à clé. Et je sais même pas comment ils sont. Ah, on viendra quand même. Ne t'avise pas de revenir, je sais qui tu es. Ouais, on viendra quand même. Pour les plein d'affaires. Non mais... C'est vraiment des fous. Bon, écoutez les amis, je vais essayer de me protéger pendant que je suis tout seul à la maison. Contre eux, je peux pas faire grand chose parce qu'ils sont vraiment très malins, ils savent ouvrir les portes, ils savent quoi voler chez nous, ils connaissent très bien la maison. Mais vous avez vu, même aux gens de sa propre famille, faut pas faire confiance. Ils étaient transformés en mon cousin et en mon père. Comment je suis censé voir ça, moi? Bon, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Peut-être qu'ils vont revenir de vacances et que c'est vraiment un prank, je sais pas. En attendant... Non mais sérieux, vous êtes encore de retour? Il nous a fourré. Bon, les amis, à la prochaine, j'espère pour une vidéo un peu plus marrante. Allez, cliquez sur une vidéo qui apparaît, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ciao.